Je pense, moi, en tout cas, j'ai aimé sa manière de faire. Il a utilisé une manière très active qui a permis à tout le monde de rester en veille. Et je pense que ça fait bien. Donc, encore un bon pour lui. L'environnement est central dans la vie des êtres humains. Voilà pourquoi nous avons opté pour réaliser cette activité-là, en venant planter des arbres au sein d'un centre de santé, parce que qui est doublement symbolique, parce que c'est tout à fait... les arbres sont source de médicaments, sont source de vie, dont l'ombre et dont... L'arbre est au cœur de notre vie au quotidien. J'exhorte les jeunes à s'engager de manière citoyenne, de ne pas écouter ce que disent les détracteurs des organisations de la société civile qui sont sérieuses. Il y a des organisations de la société civile dans ce pays-là qui sont sérieuses, qui sont engagées aux côtés des populations, que ce soit dans les situations extrêmement difficiles, comme les situations de Ditao, Dori, donc Waigwia. Je suis très satisfait et je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris part à cette activité parce que nous avons beaucoup appris dans ça. Je suis très satisfait parce que lorsque on écoutait les débats, on sent que les uns et les autres avaient envie d'apprendre et ils ont réellement appris en posant des questions justes. Également, je suis satisfait parce que l'évaluation montre que 95% sont satisfaits de ce qui a été dit en termes de communication, en termes d'organisation générale, et aussi 100% ont confirmé avoir appris quelque chose de nouveau. Donc c'est une grande satisfaction.